Devasense, on est une société donc, qui apporte des outils de contrôle des revêtements industriels dans le flux de production. Via un procédé par laser, eh bien, on va pouvoir mesurer 100% des pièces en continu. Je pense que le jury a choisi notre projet pour la catégorie industrie parce que les industriels sont nos clients et donc le jury a pensé que nous allions montrer que la France peut apporter l'innovation technologique pour construire l'usine du futur dans le monde entier. En 2016, Innovasense a réussi son lancement commercial et les premières implantations clients. 2017, pour nous, c'est l'année du déploiement commercial. Et donc ce prix va nous apporter visibilité et notoriété auprès de nos clients potentiels. Le message que je voudrais transmettre aux entrepreneurs et aux étudiants qui souhaiteraient se lancer, c'est qu'un projet d'entreprise, ça se construit en équipe et en réseau. Et c'est les autres, c'est les gens qu'on arrive à embarquer avec nous qui vont nous apporter toutes les choses qui nous manquent pour pouvoir réussir ce projet. Geoffrey a une très grande capacité de compréhension et d'empathie qui lui permettent vraiment d'appréhender les problématiques du client et d'y apporter des solutions. Il est un peu moins à l'aise sur la partie implantation et conception technique, mais dans ces cas-là, il sait s'entourer de moi et de l'ensemble de l'équipe. À tous ceux qui sont tentés par l'entrepreneuriat, sautez le pas, lancez-vous et allez-y.